Nous, mardi 30 juillet 2024, nous comptons rentrer la caille nous dans l'ESA en collaboration avec VOA Créole pour nous capables informer nous de ensemble point cap dominer actualité hier pour la caille pas nous avec l'autre bord de l'eau. Mais parmi quelques points à gagner pour nous développer dans le journal, là, pour la caille pas nous, nous prenons les informations qui sont pour nous avec l'insécurité, gagner SPNH 17 là, qui m'a dit ensemble avec le directeur général de la police nationale là, pour qu'il soit capable de résoudre pressé problème d'insécurité qui gagne dans deux départements, eh bien, dans le pays. Département Sahel, c'est département l'Ouest. Ak département la Tibonite nous connaît journée jodiant qui a ravagé par problème insécurité. L'autre information dans journal là pour mener nous est dossier eh bien immigration ak émigration. Autorité jamaïcaine yo fait connait yo kebe 30 haïtiens qui t'a tenté eh bien rentrer illégal dans pays Jamaïque sous la mer eh bien yo prend eh bien haïtien ça yo sous la mer et yo rapatrié yo en Haïti. L'autre information dans le journal là pour mener nous à l'autre bord de l'eau dans pays États-Unis pour aller voir dossier qui est pour avec élection gagner vice-présidente américaine Kamala Harris qui lui-même continue à prendre popularité d'après dernier sondage qui fait dernièrement là et bien Kamala Harris lui continue à monter en puissance dans ça qui concernait popularité n'a toujours été dans 5e pour élection cette fois-ci nous parler dans pays Venezuela et gagner parti opposition qui au même coin dans tête que yo remporté élection yo ta même déjà prêt pour que yo capable prouver que yo remporté dernière élection qui s'est faite dans pays n'a rappelé et bien élection ça yo qui était faite dimanche qui s'est passé là et d'après résultat élection yo gagné Nicolas Maduro qui lui-même remporté élection et bien un parti opposition en fait qu'on est que yo gagne toute preuve qui capable montrer à que Edmundo González c'est le même qui remporté élection. Point ça yo avec plaisir les autres a gagné pour venir développer dans journal là mais c'est pour la pause là. Yo l'autre fois encore n'a saluer tout le monde qui connecté nous et bien sur internet là, bienvenue dans développement journal là. N'a rappelé un journal qui fait en collaboration avec VOA Créole. N'a démarré le journal avec information qui est pour avec insécurité gagné SPNH 17 qui lance un appel actuel et bien directeur général de la police nationale d'Haïti côté que li mandé Normil Rameau pour que li capable prendre ensemble mesures sécurité qui appropriées pour capable et bien sauver département la Tibonite là ak département l'Ouest là de département sa yo yo livré by nèg exam depuis que ancien directeur général la PNH France LB té nan tête PNH et SPNH 17 li profité occasion pour qu'il est capable dénoncer et bien silence autorité actuelle yo qui pas jamais fait rien dans l'idée pour qu'il est capable croiser un phénomène insécurité cap ravager des départements silayo n'a pas quitté information dans ça qui pour ak insécurité nous pral wè un dossier immigration gagné un gat côte jamaïcaine qui lui-même rapatrié 35 haïtiens parmi yo gagné 5 femmes qui t'ap tenté rentrer illégal dans pays Jamaïque yo té essayé passer un parlement faut nous dit que avant hier lundi 29 juillet 2024 là eh bien garde-côte dans sud paysan yo té rapporté que yo laissé yo quitté paysan eh bien jeudi passé hein eh bien faut nous dit que yo toute sorti eh bien dans département Grand-Anse plus précisément dans commune Ansdeno gagne c'est une commune dans département Grand-Anse tendance là c'est pour capable rentrer illégal Jamaïque faut nous dit depuis pile qui joue gagne un plaisir haïtien qui au même a quitté Haïti pour qu'il soit capable rentrer Jamaïque 14 haïtiens étaient déjà eh bien rentré illégal dans pays Jamaïque et yo té pimpé et tourné 14 haïtiens sa yo dans date 27 juin
et puis gagner 71 haïtiens qui étaient tentés rentrer illégal en Jamaïque, ils étaient pimpé en Haïti dans date 11 mars qui s'est passé là. Dernier temps ça faut nous dire que gagner en pile haïtien qui a essayé et quitter pays pour qu'il soit capable rentrer de manière illégale dans pays Jamaïque. N'a quitté information qui est pour avec dossier immigration avec émigration pour que nous capables à louer une autre information. Cette fois-ci, nous parler dans le pays Venezuela, côté que gagne opposition qui dit que yo prêt pour que yo capable prouver victoire eh bien dans élection chef opposition vénézuélienne Maria Corina Machado li fait connaître eh bien lundi passé que opposition eh bien était gagné tout moyen dans même pour capable prouver que yo remporté eh bien élection. Et candidat Edmundo González Urrutia, c'est lui-même qui est président. Il déclarait en absité, nous gagnons tout moyen pour que nous capables de prouver la vérité. D'après ça, Madame Machado, lui-même, lui indiquait, et il fait connaître que l'opposition a gagné preuve que il a remporté une victoire là après que il a été réuni 73% et bien un bordereau résultat dans bureau voto. Et selon un décompte, monsieur González Urrutia li ta recevoir 6,27 millions voix contre 2,7 millions par rapport ensemble avec président sortant n'a parlé de Nicolas Maduro qui était proclamé eh bien vainqueur dans élection qui s'est passé là n'a pas appelé ce conseil national électoral qui était programmé qui était proclamé eh bien Nicolas Maduro vainqueur élection en Silayo. N'a quitté information élection dans pays Venezuela n'a toujours été dans ça qui vient pour avec élection. Cette fois-ci nous parler dans pays États-Unis côté que gagné vice-présidente pays États-Unis n'a parlé de Kamala Harris depuis annonce retrait Joe Biden nan, eh bien vice-président pays États-Unis qui joint un support Joe Biden pour le capable vin candidat eh bien démocrate dans élection qui pour fait dans pays en très bientôt soit 5 novembre cap vini là eh bien faut nous dit et depuis après annonce ça eh bien Kamala Harris qui lui-même de temps en temps après eh bien contenu a augmenté dans sa concerné popularité et car li a seulement 2 points depuis annonce retrait Joe Biden dans élection présidentielle qui gain pour fête dans pays États-Unis. Popularité Kamala Harris li augmenté et intention vote yo eh bien yo augmenté tout pour démocrate là. Selon dernier sondage Wall Street Journal publié eh bien vendredi passé qui répété par BFM TV, faut nous dit vice-présidente américaine, lui est crédité à 47% intention vote contre 49% pour ancien président américain, a parlé de Donald Trump, lorsque un candidat républicain était face à actuel eh bien, un président, et qu'il était à 6 points. D'après même soustan, eh bien, côté popularité et probable candidat démocrate là, il passait de 35% à 46% en une semaine et popularité Donald Trump li ap descend. L'autre enquête fait même constat li relaté médias français selon un sondage Ipsos pour ABC News eh bien dimanche faut nous dit que gagné 43% électeurs américains yo quel que soit à parti yo qui estimait que Kamala Harris li favori pour que li était capable remporter élection à 42% avant 21 juillet et annonce Joe Biden nan, eh bien li a 35% de opinion en favorable qui donc eh bien de temps en temps nous en popularité ancien président américain a parlé de Donald Trump l'a baissé par rapport ensemble avec actuel vice-président américain n'a parlé de Kamala Harris qui lui-même continuer à monter en puissance avant même élection yo même rivé n'a rappelé élection qui est pour fête dans
date 5 novembre cap vini là. C'est ensemble information que nous t'ai pour nous dans journal jodien. N'a invité rester connecté puisque eh bien un rendez-vous à continuer avec VOA Créole ou bien possibilité pour que vous capable suivre reste journal là sous VOA Créole. Dominé actualité. Actualité en pays Venezuela, manifestation anti-gouvernementale violente continue environ 48 heures après élection présidentielle qui bat président Nicolas Maduro vainqueur sous Edmundo González. Actualité en région Moyen-Orient, l'armée israélienne fait connaître l'imène offensive aérienne et l'autre type opération côté li attaqué plusieurs cibles Hezbollah dans 7 zones dans le sud Liban. Et puis dans pays d'Haïti, nouveau développement à débat juridique et politique devant scandale corruption qui touchait 3 membres conseil présidentiel transition. Et puis Jeux Olympiques Paris dans le pays de la France a continué en bas en pile chaleur et 3 athlètes haïtiens déjà éliminés. C'est point ça yo avec l'autre corps nous va le développer pour dans yon petit moment dans pays d'Haïti gen police nationale là qui bayon bilan sous état d'urgence sécurité a nous gen sous place Steven Aristide n'a gen pour rétablir contact avec pita dans programme mais gros point dans actualité internationale là c'est opposition dans pays Venezuela qui continue à manifester contre ça aurait les victoires et Maduro dans élection qui s'est passé là yo dimanche qui s'est passé là nous gen Jean-Aubert Philippe cap suivre de très près pour nous dossier ça Jean-Aubert Philippe gen pile réaction qui continue à tomber et après ça conseil électoral a dit que c'est Nicolas Maduro qui a remporté la victoire. Oui, j'en dis avec une pile réaction et surtout excepté Moscou qui lui-même table d'accord avec le résultat de l'élection. Mais on a dit que pendant ce temps, manifestation qui a déroulé un peu partout au Venezuela, mais débouché sous et 4 personnes mourent pour Vipiti, il y a plusieurs centaines d'autres personnes que la police a arrêté, il y a 48 personnes parmi les forces de l'ordre de Turquie ont même blessé. Et puis, le président Nicolas Maduro lui-même lui dit, lui demande de supporter pas lui, puis il descend sous béton en tout prix à contrecarrer la manifestation qu'a fait contre le gouvernement. La population en Venezuela a organisé un conseil casual dans plusieurs villes pays pour exprimer des accords avec résultat élection qui bat le président Nicolas Maduro un autre mandat jusqu'en 2031. D'après l'institution électorale, le président Maduro prend 51% voix alors que l'opposition lui-même qui dit c'est lui-même qui remporte l'élection avec plus passé 70% voix devant Maduro qui lui-même a ramassé entre 14 à 31% voix. Ça a déclaré ma bataille pour la démocratie pays. Je vole. Non, mais nous, à cause du président Maduro, commet génocide dans le pays. Nous devons gommer pour la démocratie pays. Observatoire conflit Venezuela estime que 187 manifestations dans 20 États pays. Résident dans le quartier, un quartier dans la capitale, Caracas, qui est une base chavistas et qui en faveur du gouvernement manifesté contre les résultats de l'élection. Manifestant ça a déclaré, moi sorti dans la rue, nous voulons changement, nous fatigués avec le gouvernement ça, nous voulons changement, nous voulons libre dans Venezuela, nous voulons famine, retourner ici là, nous ne voulons pas quitter le pays encore. Dans le capital d'État Falcon, manifestants qui étaient en colère, déchouqués une statue de fin président Hugo Chavez, après institution électorale là, fin proclamé président Maduro remporter l'élection. Dans quelques autres zones, manifestants ont attaqué la garde nationale, lagué les soldats à terre, battu quelques coups de bâton et puis saisi les motocyclettes avec les bicyclettes. Ta pellicule, la connaissons. Dans un message télévisé, président Elian Nicolas Maduro mettait devant le peuple là, depuis le palais national Miraforest là, et bien il dit, le gouvernement connaît façon pour gérer la protestation anti-gouvernement qui a déroulé dans tout le pays et il connaît qui vient pour combattre la violence. Le président Elian a déclaré c'est un groupe extrême droite qui a chauffé tête manifestant contre le pouvoir. Communauté internationale a exprimé inquiétude li après publication résultat yo. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken bat bravo pour électeur yo pendant li exprimé doute sur résultat. C'est même situation nous joindre pour gouvernement étranger tant qu'au Argentine, Mexique, Guatemala, République Dominicaine, Chili. Porte-parole secrétaire général des Nations Unies Stéphane Dujarric déclaré secrétaire général là quoi toute décision yo ta doué déboucher sur solution pacifique
pendant qu'il lance l'appel, bah, tout leader politique avec supporter yo, pour yo mettre de l'eau dans le divin yo, et puis éviter craser, briser. Pendant qu'il prend note sur qu'est sauté leader politique yo avec communauté internationale la gagne, après publication résultat yo. Département élection dans l'organisation américaine, qui va organiser une session extraordinaire mercredi 31 juillet, a déclaré qu'il n'est pas capable de reconnaître résultat élection yo, qui dit c'est président Nicolas Maduro qui vainquait élection dimanche là. Président Maduro déclaré hier lundi que le système électoral Venezuela transparent, qui donc lui fait toute bagaille claire. Porte-parole criminel Dimitri Peskov déclaré mardi 30 juillet, nous remarquons l'opposition n'a pas voulu accepter défaite li. Mais nous croyons l'opposition a dû complimenter vainqueur élection dimanche là. Jovel Philippe, VOA Creole, Washington. Et puis dans le pays d'Haïti, il y a un leader politique qui réagit par rapport à l'élection Sayo et il bat bravo pour victoire, ça t'a considéré comme victoire, Nicolas Maduro dans l'élection qui s'est passée là dans le pays Venezuela. Renan Toussaint, c'est correspondant de Port-au-Prince. Président Nicolas Maduro qui était candidat pour propre réélection dans l'élection dimanche 29 juillet 2024, là, réélu pour un troisième mandat consécutif dans tête pays Amérique latine, ça, Venezuela. Professeur Camille Chalmers, président structure politique racine camp peuple, a attribué victoire ça à tout peuple capgoumen contre salarié impérialiste. Nous saluons extraordinaire victoire ça, dans des conditions extrêmement difficiles. Pour nous saluer courage peuple vénézuélien qui, malgré tout ce que vous faites pour saboter le processus socialiste, n'a pas réussi à craser. Et nous certains que pas réussi à craser. Et nous pensons que victoire ça que le peuple vénézuélien a remporté face à l'impérialisme américain, c'est une victoire qui a inspiré tout peuple qui veut construire indépendance, autodétermination, prospérité et dignité la caillou. Mais l'opposition a contesté résultat élection Sayo. Conseil national électoral, CNE, déclaré Nicolas Maduro vainqueur élection yo avec 51,2% vote yo côté 5,15 millions électeurs votés pour lui, et puis 44,2%, soit 4,5 millions électeurs votés pour candidat opposition. Edmundo González Ulitia, opposition, dit qu'il y a une preuve que Nicolas Maduro a perdu l'élection. Professeur Camille Chalmers répond pour le dire. Il a été préparé toute offensive pour dire que l'élection, ça a été des élections frauduleuses. Et c'est cette offensive ça qu'on a passé aujourd'hui, hein, côté que ils ont utilisé tout un ensemble de médias, tout un ensemble de réseaux en ligne, etc. Et avec l'appui de tout un ensemble de gouvernements d'extrême droite, notamment le gouvernement argentin de Milei, pour être capable d'essayer de délégitimer l'élection. Ils ont fait ça déjà. En 2018, l'élection présidentielle qui était côté Maduro au pouvoir, qui était renouvelée de Maduro en 2018, ils ont déjà fait ça. Okay? Malgré le fait que tu as gagné plusieurs centaines, parce que, par exemple, ça a été près de 900 observateurs internationaux, et toute la presse était présente. Il confirmait que c'est des élections propres, des élections qui faites dans le respect de la volonté collective du peuple vénézuélien. Professeur Camille Chalmers dit système électoral Venezuela, c'est système électoral qui est plus fiable, qui est plus crédible à travers le monde. Là. Les 104 reconnaissent ça. Il souhaitait n'importe journaliste à enquêter sur ça. Renan Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Donc, réaction continue à tomber, cap sorti dans la communauté internationale, et tant que Jean-Robert Philippe Sodil, dans plusieurs pays, les candidats pour côté, eh ben, yo a posé question, y a questionné résultat élection qui baille président Nicolas Maduro, vainqueur dans l'élection Sayo pour l'aller, joignon l'autre mandat 6 ans. L'autre point dans l'actualité, nous prenons dans la région Moyen-Orient, côté l'armée israélienne fait connaître, eh bien, les menées offensives aériennes. Mais d'abord, nous prenons dans l'actualité électorale là, ici aux États-Unis, côté Liz Nomoun qui candidat pour Tavin et candidat pour vice-président Kamala Harris là, eh bien, l'a diminué. Kamala Harris a réfléchi sous yon lis qui gen la donne yon paquet garçon blanc. Détail avec Valérie Saint-Louis. Lis candidat pour accompagner Kamala Harris lui-même comme candidat démocrate dans l'élection présidentielle États-Unis, te vin réduit hier lundi avec gouverneur État Caroline du Nord, Roy Cooper, et gouverneur État Michigan, Gretchen Whitmer, qui yon tous deux soutien dans lis là.
C'est une décision qui gagne gros enjeu depuis que vice-président Kamala Harris a eu plus de chance pour lui joindre une nomination officielle Parti démocrate pour l'élection novembre. Depuis tout que gagne une crasse plus passé une semaine de ça que président Joe Biden lui-même a retiré col dans course pour Maison Blanche. Candidat pour vice-président ka itil dans course électorale là pour balancer ticket candidat pour président. Selon façon que a fait appel à un électorat qui pillage. C'est comme ça dans moment que Kamala Harris a réfléchi sur une liste candidat qui surtout gagne la donne garçon blanc. Roy Cooper t'est retiré tête dans liste candidat vice-présidentiel Kamala Harris là. Il t'a dit dans une déclaration hier lundi, n'a cité, moi t'ai honoré que t'ai considéré pour rôle ça. C'est juste pas un bon moment pour État Caroline du Nord. Et puis pour moi potentiellement sur un ticket pour élection à niveau national. Toujours même hier lundi, à côté parle gouverneur État Michigan, Gretchen Whitmer, t'a dit dans l'émission CBS Mornings que le pas fait partie d'un processus choix pour t'accompagner candidat Kamala Harris dans la course électorale. Kamala Harris te prend un petit repos dans la campagne li dans week-end ça et puis il te fait conversation privée avec plusieurs candidats tant que gouverneur Pennsylvania Josh Shapiro d'après source qui habitué à Capel ça yo. Gè l'autre monde qui a considéré pour candidat vice-présidentiel là. Moun koué gouverneur état Kentucky Andy Beshear, sénateur américain Mark Kelly dans état Arizona, gouverneur état Minnesota Tim Walz et secrétaire transport public là Pete Buttigieg. Candidat sa yo te marché parler dans plusieurs stations télévision à travers pays a puis yo montrer ça que yo ka pouté dans campagne là. Secrétaire transport public là Pete Buttigieg considéré même dans parmi alliés yo comme yon moun ki ta ka gen plus chance. Il te parlé avec Kamala Harris en privé sur opportunité ça. D'après des sources qui habitué à événement ça. Secrétaire transport public là te fait tout yon appel à un groupe donateur qui te supporté dans présidentiel 2020. Côté que le dit que li intéressé pour ta vice-président mais tout que le pral respecter processus choix. Selon ça que source information te dit. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Donc, 2024 sont années électorales ici aux États-Unis. T'as qu'on te dit, nous parlons en région Moyen-Orient, côté l'armée israélienne, fait qu'on est que l'immenée offensive sous zone qui gagne Hezbollah, la donne surtout dans le sud Liban. Sandra Lemaire, gagne détail. Une frappe israélienne contre banlieue sud ville Beyrouth, capitale Liban, mardi, ciblé sale opération groupe militant Hezbollah. D'après ça, trois responsables replacés, agence sécurité pays Liban dit Reuters. D'après nouvelle, frappe là t'est ciblé Mohsin Shukr, que moun connaît tout comme Fouad Shukr. États-Unis t'est imposé sanction contre Fouad Shukr dans l'année 2015. Israël accusé monsieur d'être que les responsables pour une attaque à missile contre Mon Golanyo qui touillait 12 timoun à teenager. Gain deux sous sécurité libanais qui dit Reuters monsieur survive attaque là. Agence nouvelle Reuters cité un sous sécurité qui dit gagné une dame qui mourit et puis sept autres blessés dans attaque là. Pendant ce temps États-Unis dit qu'il va continuer à poursuivre diplomatie pour éviter conflit entre Israël avec Hezbollah et papiller Piplis. We're continuing to work towards a diplomatic resolution that would allow Israeli and Lebanese civilians to return to their homes and live in peace and security. Porte-parole Vedant Patel dit journaliste yo solution diplomatique là ta permettre civils israéliens ak libanais yo tourner la caillou et puis vivre dans la paix ak sécurité. Ou l'autre côté, la Russie déclaré attaque Israël lancée contre Liban, c'est une violation loi internationale. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer actualité en pays d'Haïti dans un petit moment. Ou toujours sous VOA Creole, nous permettre depuis Washington DC, tant que nous avons annoncé, nous parlons dans l'actualité dans le pays d'Haïti, et bien, il y a une police nationale là, qui fait que ce bail en conférence pour la presse là, côté que le présenté, il y a un bilan sous état d'urgence sécuritaire. Nous avons sous place, et correspondant nous, Steven Aristide. Et Steven, ça qui sortit dans la conférence de presse là, ça nous capable de retenir. Bonsoir Jacqueline Belizer, bonsoir Jean-Marc Hervé Abela. Et au lieu d'une conférence, il y a un point de presse lié parce que. DGPNH là, nos mille rameaux, pas pour la question, les juste fin bail salgué pour le bail comme bilan, et puis l'y aller. On aurait essayé d'aller pour nous attirer attention tout le monde qui a suivi la voie de l'Amérique, qui ça qui est plus important, dans ça, DGPNH là, nos mille rameaux, t'es dit aujourd'hui. Il fait un bilan sorti 4 juillet pour arriver aujourd'hui, côté le fait qu'on est dans le département de l'Ouest avec Atibonip, il y a 104 bandits qui stoppent.
et dans quoi d'émission gain 27 bandits quoi d'émission qui c'est yon dans commune et yon dans zone commune quoi des bouquets gain 27 bandits qui stoppé dans tabac il gain yon ouzi deux fusils 12 18 caisses et cocktail molotov et yon saisi. Il y a un autre bord pour un département à Tibonite. Il fait qu'on est la police arrêté 49 personnes. Parmi eux, il y a 4 personnes qui sont pour drogue avec armes illégales. Et dans la même intervention, ça, il fait qu'on est que la police arrêté environ 65 personnes dans le département à Tibonite. Il y a plusieurs qui sont transférés par la justice. PNH l'a saisi 19 armes dans le département à Tibonite. Il y a 7 machines confisquées. Il y a 5 évadés de prison. Yo récupéré. C'est ça, nous capables de dire, en gros, et puis il était passé sous dossier hier à ça qui passait dans l'hôpital général. Nous capables de dire, en théorie, Saint-Honoré avec Monseigneur Yu. Il fait qu'on est, ça qui était passé hier, pas aucun rapport ensemble avec attaque gang. Et il fait qu'on est, situation sous contrôle, la police avec les policiers Kenyao. Yon l'autre bord, dans le même point de vue, ça, li et mandé population toujours sous des mariages population avec les policiers qui commencent à faire des résultats. Et ces bilans, ça, li baille aujourd'hui dans le point de vue dans le DGPNH. Merci Steven Aristil. Steven Aristil était sous place dans l'occasion point de presse ça que DGPNH la baille sous état d'urgence sécuritaire. Et concernant l'incident qui arrivait hier pendant que le Premier ministre Gary Conin était dans l'hôpital général, on a bien pour nous retourner sur lui. Mais nous parlons d'un gros dossier qui continue à dominer l'actualité dans le pays d'Haïti, c'est dossier corruption ça. Côté conseil présidentiel a annoncé que gain une enquête qui l'ouvre pour capable faire lumière sur scandale corruption ça qui touchait trois membres dans conseil présidentiel transition hein. Nous gain sur place Yves Manuel. Pendant t'a prend la parole dans 47e session chef l'état à gouvernement pays CARICOM yo, président conseil présidentiel transition hein, Edgar Leblanc fils abordé question corruption dans BNC hein, qui impliquait trois membres dans CPT hein. Monsieur Leblanc souligné gon enquête qui l'ouvri dans sens ça pour capable faire lumière sur scandale hein. Président conseil présidentiel transition hein, yon l'autre côté mette fin à toute critique qui a joini comme quoi l'État ignorait scandale corruption ça président BNC a dénoncé et qui impliquait trois conseillers présidentiels. Pendant temps ça, yon nan concerné yo Smith Augustin pendant la sorti dans pays la France voyait jeter allégation ça yo comme quoi lui-même ak deux autres conseillers présidentiels t'a exigé bon côté président BNCA 100 millions goud pour yo capable conserver le poste li. Ancien ambassadeur d'Haïti en République Dominicaine nan dit pas gagne rien pour louer ak dossier ça et mandé preuve. Moi-même pas gagne rien pour moi ni le gagne de moi non question tout ça. Mais qui je dis, monsieur, et la répondre pour que les gens qui accusent nous, nous-mêmes, nous portons preuve, et si on va porter preuve, nous prenons des mesures que la loi nous voit pour ça. Toujours dans le cadre dossier, hein? Président Conseil Administration Banque Nationale Crédit, Raoul Pierre-Louis, qui te doit répondre question enquêteur ULCCO, Jounen Madian, mandé un report. Li expliqué, li pap ka répondre question enquêteur ULCCO, Jean Saté prévoit, il mandé dans sens ça, yon délai, yon semaine, pour le capable préparer. Demande ça a fini, dans un moment côté dossier, hein, suscité en pile réaction, tant bon côté médias sociaux, que médias traditionnels yo. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Et toujours sur le même dossier, nous parlons rejoindre Massiado Vilmé qui lui-même gagne yon l'autre développement toujours concernant scandale corruption ça dans conseil présidentiel transition. Quatre dossiers ça qui opposé président conseil administration BNCA Raoul Pierre-Louis avec trois membres conseil présidentiel transition. Avocat qui a défendu conseiller président Emmanuel Vetiler, maître Anel Rémy, dit pas qu'il y a aucune décision juridique qui est capable de prendre contre accusé. Ces messieurs, vu leur statut et leur rang, ne peuvent être poursuivis en justice, malheureusement. Parce que vous n'êtes pas un agent de la fonction publique, vous n'êtes pas évoqué un agent, vous n'êtes pas un agent, mais vous-même aussi des hauts fonctionnaires. Vous n'êtes pas des hauts fonctionnaires, seul soit qu'à faire, c'est destituer. Et pour destituer, c'est à travers une juridiction qui est la Cour de justice. Je ne dis pas que je légitime les cas de corruption, non, à travers ça m'a fait. Mais article 4, décret pour la création du CPT, et Massiado Anadadadan, il dit
les conseillers présidentiels jouissent des prérogatives spécifiques attribuées à un président élu. C'est-à-dire que même si je retraite un président élu, qu'on s'appelle le conseiller présidentiel. Même l'homme qui a dit dans le décret, le conseiller présidentiel n'est pas un haut fonctionnaire. Prenez le problème encore. Ni pas conforme à l'article 57 de la Constitution. Audition président conseil administration BNCA, Raoul Pierre-Louis, qui te prévoit pour jeudi mardi 30 juillet 2024 là, devant enquêteur ULCCO, reporté pour une semaine. D'après sa nouvelle rapportée, c'est avocat président conseil administration BNCA, M. Sonet Saint-Louis, qui écrit directeur général ULCCA, Hans Joseph, pour demander de renvoyer l'audience à cause de pas disponible pour accompagner client lien. Coalition nationale s'y a été accord 11 septembre et 21 décembre qui peut être tout si pour le bail représentant strict si ça, conseiller président Louis Girard Gilles, qui a non cité dans le scandale corruption ça, dit parti civil la pas argument pour prouver l'accusation lié. Nous va égaler, nous va imbécile. Attends, tout est agile. Car les camarades salent dans 100 millions de gouttes. Voyez ça, nous t'attendons. Plusieurs juristes qui réagissent sur le dossier ça font connaître ces sérieuses décisions administratives qui sont capables de prendre contre trois membres du conseil présidentiel de transition. Depuis Port-au-Prince, moi, c'est Massado Vilmé pour VOA Créole. Merci, Massado Vilmé. Tant que l'on te dit, pour retourner sur l'incident qui arrivait dans la zone de l'hôpital général, dans le moment que le premier ministre Guy Conny était en dedans, nous allons rejoindre Steven Aristil qui a un détail. Aïe, lundi 29 juillet 2024, le premier ministre Guy Conny était en avec lui, DGPNH, Normil Rameau, à commandant force multinationale support à sécurité, Godfrey Hunting. Pendant l'état fait une deuxième visite évaluation dans l'hôpital général. Pendant la visite, si le premier ministre Guy Conny était accompagné par quelques journalistes CNN qui étaient venus couvrir l'activité. Si la. Dans une autre équipe communication, mission support à sécurité à Météo, il fait qu'on est. Dans la fin interview du Premier ministre, il y a eu quelques détonations. L'agence de sécurité a été obligée de tirer pour capable faire couvertir les ministres absorti. Dans la même note, l'équipe communication MSS l'a fait qu'on est. Il est arrivé localisé côté Bibali a été sorti et a été pacifié zone. Il a continué pour dire l'hôpital général toujours sous contrôle la police à contingent mission support et sécurité. Toujours dans le même communiqué, il a fait qu'on est. Pas aucun mort ni blessé qui est enregistré, ni bon côté PNH, ni bon côté mission support et sécurité. Après l'événement, si nous avons contacté quelques mon équipe communication mission support et sécurité pour demander au qui l'a gagné l'autre contingent cap privé. Yo fait nous connaît, il a préparé pour capable recevoir nouveau groupe policier jamaïcain qui supposé venir renforcer effectif là. Mais yo pas en mesure pour communiquer aucune date ça a fait. Steven Aristil pour VOA Creole depuis Port-au-Prince Haïti. N'après toujours dans pays d'Haïti côté autorité dans pays la Jamaïque voyez tourner en Haïti 35 compatriotes haïtiens qui t'ont tenté rentrer illégalement dans le pays Jamaïque. C'est Gadkot Okai qui t'a recevoir et compatriotes ça. Un reportage Jean-Ernst Eliskar depuis Ville Okai dans le département Sud-Pays. Autorité jamaïcaine retourné en Haïti 35 haïtiens qui t'ont tenté rentrer illégalement dans le pays Jamaïque. Parmi moun sa yo, gen yon ti moun 5 femmes ak 29 garçons. C'est Gadkot nan Okai qui te recevoir 35 compatriotes sa yo sou waf Okai. Kek nan depote yo te bay raison te pousse yo ki te peyi ya nan kondisyon sa. Fata pou ki akwe de sityasyon pat bon, nou fò an konflikta, nou gane, nou gane se yon fèk amte. Nou ki da iti divijye di swa a minui. Nous faisons vendredi, nous faisons samedi, nous faisons dimanche matin, à l'hiver du matin Jamaïque. Oui, à cause de nous quitter le pays, parce que nous sommes si jeunes, nous partons dans nous là, tout finit l'école, nous allons gagner. Pour nous faire, nous sommes malheureux, nous sommes malheureux. Et papa, tout comme vous avez un moyen, aussi pour nous aider à nous faire quitter. Je suis venu. Qui t'a tenté rentrer illégalement dans pays Jamaïque, compatriote haïtien Sayo, qui sorti dans Ansdeno, département Grandens, pas écarté possibilité pour reprendre la mer si situation n'a pas changé.
Jean-Ernst Eliska, VOA Creole, Okai. Merci Jean-Ernst Eliska, ou toujours sous VOA Creole. On observe un programme en langue créole haïtienne et gros événement dans la question sport pour période là, c'est définitivement Jeux Olympiques qui a déroulé dans la ville Paris, dans le pays la France, son jeu qui ouvert depuis 26 juillet qui s'est passé là. En bas, gros la pluie et avec tout sabotage qui te gagne la donne. Mais je vais continuer, médaille à tomber, bien que et Haïtien n'ont pas vraiment fait belle figure. On a l'air ça, Pibri. Quatrième journée Jeux Olympiques Paris, déroulé jeudi en bas, en pile chaleur, après que la pluie t'ait marqué cérémonie ouverture là. Quelques résultats dans le football dans le groupe B, Maroc calé Irak 2-0, Ukraine fait match nul 0-0 avec Argentine, dans le groupe C, Égypte calé Espagne 2-1 et puis match nul 1-1 entre Ouzbékistan et République Dominicaine. Dans le basketball, la France calé Japon de justesse 94-90 avec deuxième victoire ça, la France t'a dû qualifier pour quart de finale. Et puis pour Haïti, trois athlètes haïtiens déjà éliminés. Alexandre Grandpierre dans natation, Lindsey Brown dans gymnastique et puis Philippe Metellus dans judo. Et puis dans tableau médaille, Japon premier avec 7 médailles d'or, son total de 13. Immédiatement après, en deuxième position, la Chine qui gagne 6 médailles d'or, son total de 14. La France, pays organisateur, en troisième position avec 5 médailles d'or, son total de 17 médailles. Australie en quatrième position avec 5 médailles d'or, même Jean à Corée du Sud tout, qui gagne 5 médailles d'or. États-Unis qui gagne plus quantité médailles, il t'a supposé en tête, mais c'est pas ça. Il gagne 20 médailles au total, mais avec 3 médailles d'or, 8 argent, 9 bronze. Donc, il est en sixième position. Donc, Jeux Olympiques, ça y est, qui commençait 26 juillet, qui s'est passé là, a fini le 11 août. Il a gagné 329 compétitions. Jeudi, qui 30 juillet, a gagné 22 compétitions qui n'en programme pas. Et puis, dans la question classement et médaille, c'est yo parti à partir de médaille d'or. C'est ça qui fait qu'on paye aux États-Unis qui gagne 20 médailles qui t'a supposé en premier dans le classement, mais à cause de quantité médaille d'or gagne, et bien le fait que li pas li en sixième position et qu'on y a nous pral dans le pays Brésil avec Chesley qui parlait de journée, mesdames Noyo. C'est comme ça, match dans l'occasion Journée internationale Femmes Noires, Amérique latine et Caraïbes a commencé dans le centre de São Paulo. Il y a environ plusieurs milliers qui ont pris la rue pour dénoncer négligence d'État, discrimination sociale, raciale, exacte violence, Femmes Noires et Wapsibi au Brésil. D'après mesdames, le match ça, c'est une façon pour faire autorité autant des voyous, exiger respect royaux. Quelques parmi eux, t'es parlé dans le micro VOA créole. L'exclusion sociale là dans le Brésil, les races, les gens, mais c'est nous-mêmes femmes noyaux qui sont les principales victimes d'inégalité dans le Brésil. À ce moment-là, nous allons marcher, nous continuer à résister pour bâtir une bonne vie pour les peuples noirs, pour les petites noirs et les frères noirs. Mais ça, c'est un moment pour nous reconnecter, c'est un moment pour nous parler sur ce que la société nous voulait. On a fait remarquer, c'était l'occasion pour demander pour les femmes qui doivent avorter sans qu'elles sautent au Brésil. Je suis Jean-Baptiste, VOA Creole, São Paulo, Brésil. Merci Chesley Jean-Baptiste et c'est avec reportage Chesleya depuis Brésil que n'a mettez fin dans programme n'a pas oublié que nous gain Jeux Olympiques que n'a suivre nous avec équipe américaine basketball live avec monsieur font démonstrations on va être tête chargée avec monsieur LeBron James en tête et toute l'autre monsieur yo Steve Kerr et l'autre yo et ben c'est un gros bagaille et négoté déjà dit que on va courir avec compétition ça et nous t'es quand même ouais et vice-président PIA quand même la Harris qui t'a visité monsieur en vain été déplacé.
Mes amis, c'est là nous mettez fin dans le programme. C'est un plaisir. Comme d'habitude, pour nous te servir, nous remercions Franklin qui était avec nous. Je connais Chang Wang qui était avec nous. Bons amis pays d'Haïti. Et puis Jean-Marc Hervé Abela qui sont bons amis pays d'Haïti. Tout. Non, monsieur, c'est Haïtien natif natal. Merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Je vais casser rendez-vous avec nous et pour deux. Mais pas oublier que nous, dans toute plateforme, nous allons consulter pour capable de gagner dernières nouvelles qui tombent. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Bonsoir. Que présence policier kenyan yo nan peyi a capable aider nous résoudre problème insécurité qui gagne nan peyi a, ou bien est-ce que n'a obligé tann arriver l'autre pays qui fait partie de MMAS, mission multinationale appui à la sécurité haïtien? Est-ce que n'a obligé tant arriver l'autre pays ça yo pour que au moins nous capable aller un souffle en bas phénomène insécurité ça qui lui même sorti pour capable ravager pays? Comme dit nous depuis plusieurs années, pays a fait face avec yon un problème insécurité qui gagne qui est effet sous plusieurs l'autre secteur clé dans pays. L'en prend problème insécurité ça, li vin fait répercussion eh bien sous secteur éducatif là. Jodi la on d'accord que problème insécurité qui gagne dans pays la cause plusieurs l'école pas qu'à fonctionner. Et nous connaissons un élément clé pour capable réussir une société, c'est l'éducation. À part de secteur éducatif là, qui prend coup au niveau de problème insécurité, ça, on dit que gagne un secteur touristique là. Jodian là, on d'accord que problème insécurité qui gagne dans le pays fait que jodian là, nous pas qu'à recevoir touristes dans le pays. Pour yon pays capable de développer, faut gagner la présence de touristes dans le pays ça, qui permettent que le pays ça lui-même li développer. En plus de secteur touristique là, je dis là, yon l'autre secteur encore qui est vraiment gagné gros difficulté dans le pays hein, par rapport avec problème insécurité, hein, c'est secteur économique là. Je dis en économie noire, à zéro par rapport avec problème insécurité qui gagne dans pays qui vient bailler un problème grand goût. C'est pas moi qui pral dit nous que jodian là, c'est pas deux zones au niveau de pays qui pas qu'à manger, c'est pas deux départements. Et récemment gagne un cri qui lancé vis-à-vis de des départements l'Antibonite là par rapport avec produit que eh bien département ça pas qu'à produire encore. Département ça li pa ka produit quantité manger que le ta doué produire par rapport avec yon groupe nèg exam qui yo même théorisé population qui yo même théorisé eh bien groupe malheureux paysan qui yo même toujours ab gérer question eh bien jardin dans département la Tibonite. Mais faut me dire nous que problème insécurité ça, c'est yon groupe nèg exam qui joint bénédiction yon groupe nèg nan politique là qui fait que jodi an la payan li presque à genoux pour m'pa di à genoux net par rapport avec yon groupe nèg exam qui yo même a terroriser population haïtienne là qui de temps en temps y a prend espace y a prend terrain au niveau de eh bien plusieurs zones nan pays. Puissance nèg exam sa yo de temps en temps eh bien yo prend territoire et lorsque yo prend territoire li vle di sa vle di ki bay possibilité ensemble avec tête yo pour que yo capable eh bien faire plusieurs acquisitions au niveau de munitions pour acheter cartouches par pile et par paquet et pour acheter plusieurs armes. Récemment, nous sommes capables de constater que gagné chef gang 400 Marozoan n'a parlé de l'amour sans joue. Eh bien, monsieur ça,
qui t'a fait ouais que eh bien il gagnait plusieurs armes et surtout des Kalachnikov que il a peine acheté. Et gagné porte-parole vivant ensemble Jimmy Cherizier et que et barbecue qui lui-même te font sortir pour dire que jodi il charge armes dans mel et majorité armes ça c'est armes la police. Jodi en pile mon a posé cette question qui jan yon groupe gang capable camper pour le faire plus que 3 mois à tirer coup de balle groupe gang ça li pas jamais en panne balle. M'pense que nous t'a supposé poser des questions pour nous qui jan nous capable résoudre problème insécurité qui gè là. Pom dit nous que gouvernement Ariel Henry t'es décidé pour que t'es capable de mander yon coup de main ensemble avec Nations Unies pour capable aider nous résoudre problème insécurité qui gen là yon insécurité féroce yon insécurité comme dit nous qui aller avec plusieurs et bien frais action nous yo et insécurité ça forme dit nous que li appauvri plusieurs compatriotes li appauvri plusieurs haïtiens qui gagnent dans pays parce que en d'accord ensemble avec nous gen plusieurs moun jounen jodi an yo victime zak insécurité qui permet que yo kidnappé yo et moun sa yo obligé foure menan économie que yo te gagné pour que yo capable soit libérer otage sa yo ou bien faciliter libérer tête yo et gen en pile moun tout qui victime zak insécurité par rapport avec yon proche yo qui fait voile pour payer son chapeau et pourtant d'ailleurs yo obligé planifier yon voyage cap coûter yo plusieurs l'argent dans l'idée pour que yo capable quitter pays. Gouvernement Ariel Henry ouais que situation li anti gens détérioré li anti gens et bien et paraître et compliqué yo té obligé mandé coup main ensemble avec Nations Unies. Pas oublier que Haïti fait partie de pays qui membre Nations Unies. Le fait que Haïti fait partie de pays qui membre, il y a plusieurs eh bien, missions onusiennes qui rentrent dans le pays. Nada et dernière date, aujourd'hui, la liquide est une cicatrice. Et cicatrice liquide, il n'y a pas l'autre question choléra. Pas oublier que présence MINUSTA en Haïti, c'est mission des Nations Unies pour la stabilité en Haïti. Mission ça qui était rentrée, si je ne m'abuse, c'était en 2004. Dans le moment que Jean-Bertrand Aristide a quitté le pays, eh bien, il a quitté une cicatrice, j'aime ça dire, pour la population haïtienne. Non, parce que ce n'est pas deux compatriotes, ce n'est pas deux frères acteurs, nous. Qui yon même victime dans la question choléra. C'est une raison qui fait que jodi an la, Nations Unies doit dédommager, eh bien, moun ki gen moun ki victime nan choléra. Eh bien, nan demande que Ariel Henry fait, à l'époque, il était premier ministre, il était chef du gouvernement. Eh bien, Nations Unies vin trouver nan yon obligation pour que li capable répondre par rapport avec demande là. Nations Unies frappe porte OEA qui c'est organisation des États américains pour capable bay Haïti yon coup mais ensemble avec problème, ensemble avec virus qui a ravagé là, qui parle l'autre que insécurité que yon groupe nèg exam mette dans pays. C'est dans sens ça OEA te obligé checker plusieurs pays parmi yon gagné République Dominicaine. Gagné et Canada malheureusement qui dit li pa prend tête yon troupe yon mission en Haïti et en dernier lieu finalement nous fini par joindre pays ça qui est le Kenya qui c'est un pays en Afrique qui gagné propre difficulté pal li d'accord pour nan tête yon mission pour capable vin aider population haïtienne nan nan salien vin aider la police bataille contre yon groupe nèg exam. Mais fòm di nou que c'est pas seulement pays Kenya qui fait partie de mission ça, il y a plusieurs autres pays qui ta doué fait partie de mission ça même que c'est pays Kenya jounen jodi an qui gètan sous sol. Gagné plusieurs pays qui yo même répondre. C'est vrai que pays Kenya c'est lui-même qui a gagné cette mission
Mais il y a plusieurs autres pays qui répondent pour que vous soyez capable de venir aider Haïti sortir dans ce salier là. Il y a au nombre de 12. C'est le cas de Antigua et Barbuda qui était confirmé depuis 26 septembre 2023 que l'État doit déployer en Haïti une force de défense cap bien la donne militaire cap sorti dans pays Antigua et Barbuda pour capable porter support yo ensemble avec mission. Gagné tout d'autres pays comme la Jamaïque, même que yo annoncé Jamaïque ta supposé gagner premier contingent cap rentré semaine là. Gagné Bahamas, gagné Antigua et Barbuda, gagné Italie, l'Espagne, Mongolie, Sénégal et tout pays ça yo ta doué fait partie de mission et multinationale appui à la sécurité Haïti, San Babie, Belize, Suriname, Guatemala et Pérou. Je dis là en d'accord que c'est Kenya qui a peine vini. C'est pour la première fois haïtien y a possibilité pour capable assister avec une mission qui a rentré dans le pays, mission rentrée par compte goutte. Qui ça me veut dire par là? Dans le premier temps, n'a pas rappelé dans date 26 juin passé, te gagné un premier contingent qui t'est rentré avec plus que 200 soldats. Mais pour dire que c'est des policiers kenyans. J'aime ça dit à l'heure, il y a des pays qui choisissent des policiers et il y a des pays tout qui choisissent des militaires. C'est le cas de Antigua et Barbuda qui a bail des militaires, il y a Salvador tout qui est même prêt pour bail des militaires et il y a bail des policiers au niveau de la marine. Pour capable aider nous dans la question de la mer. Jodi la en d'accord que yon deuxième contingent de police qui rentrait sorti dans le pays Kenya avec yon effectif de 200, qui baille total 400 et quantité policier sa yo, yon te rentré dans date 17 juillet passé, hein, si je ne m'abuse, et malgré présence monsieur sa yo, pomme dit nous que situation a toujours été compliquée dans le pays. Qui vient faire que jodi là en pile moun a posé question, est-ce que n'a obligé tant arriver de l'autre pays qui fait partie de mission pour que nous capable râler un souffle à problème insécurité hein? Ou bien est-ce que n'a obligé faire appel ensemble avec un autre mission qui mieux préparé, qui mieux équipé, qui pour capable venir aider nous. On d'accord que depuis sous façon pays Kenya arrivé dans pays on d'accord que bien peut-être notre pays capable toujours aider nous. Mais nous pas la supposer mettre trop espoir sur pays Kenya. Parce que yon force cap rentrer l'état supposé capable rentrer ensemble avec avion militaire. Est-ce que c'est parce que nous pas payer tout qui fait que jodi là yo pas rentrer ensemble avec avion militaire yo? Pas oublier gagner deux avions qui rentrer pour porter force ça, deux avions différents. Premier avion qui t'est rentré c'est Air Kenya Airways. C'est un avion compagnie aérienne dans pays Kenya que yo té loué spécialement pour être capable porter premier contingent. Deuxième contingent, li rentré à bord de un avion et qui c'est un avion pour une autre compagnie Airways dans pays Kenya. Ça vient faire que ça montre nous à clair que
pays Kenya semble c'est plus comme là yo te vle parce que on d'accord c'est eux même qui dans tête mission. Le fait que pays Kenya vienne faire ça, vienne gagner doute et gagner plusieurs opérations monsieur au participer et bon dit plutôt plusieurs interventions au lieu de opérations. Malgré participation dans intervention ça fait que eh bien pas gagner confiance totale bon côté population haïtienne. Depuis le premier contingent t'est rentré, hein, je me suis dit tout à l'heure, 26 juin, c'est juste dans 22 juillet, non, c'est rentré 26 juin, deuxième contingent rentré 17 juillet, et c'est un jour après, nous t'es capable de remarquer que gagner eh bien, patrouille qui commence à faire au niveau de quelques zones qui gagnent examen. Si c'est vrai, premier contingent, tu réalises des patrouilles, mais c'est des patrouilles de visite. C'est des patrouilles côté que tu es dans la machine de la police, tu as monté, descendre, tu es allé chez le mansla, mais c'est pas de patrouille stratégique pour que tu es capable de garder comment tu es capable eh bien, planifier des éventuelles opération avec la police et l'armée d'Haïti. Mais malheureusement, jusqu'à présent, à toute population, l'hypoco comblé, et jusqu'à présent, il y a un pile monde qui a posé cette question, finalement, qui le eh bien, pays a capable de râler un souffle. Est-ce que c'est silence policier Kenya qui fait que je dis en tout, gagne un petit monsieur Axamio qui prend confiance de temps en temps. Parce que récemment, nous sommes capables de constater que gagne et puissant chef gang la Tibonite, là, on a parlé de Luxon et là, il y a un puissant chef gang département la Tibonite, là, qui lui-même t'est monté au créneau pour te passer un ultimatum avec ma chauffeur qui a passé par un dans yo. Eh bien, chauffeur ça yo, li ba yo seulement 3 jours pour que yo capable d'utiliser voie principale. Qui sa situation yo? C'est parce que dans voie principale là, monsieur yo érigé yon poste de péage. Et poste de péage ça, vin fait que, eh bien, population qui t'a de passer sur route nationale, yo obligé à jouer point, yo obligé à jouer route rage. Pour que yon évite payer poste de péage. Mais le fait que yon utilise ou trajet, et mes chefs gang nan di yon, li ba yon 3 jours. Pour que yon capable utiliser voie normale. Nous capable wè gagner yon impertinence au niveau de Luxon. Nous capable wè gagner autorité bon côté Luxon et là. Côté que l'autorité n'a pas établi, c'est normal pour gagner un secteur ou bien une tierce de personnes qui sont capables de faire établir l'autorité dans pas ça. Et mes femmes disent que malgré la présence policière kenyan, jusqu'à présent, il y a une grosse difficulté pour que une opération qui est capable de commencer tant mais dans la zone à rouge, zone qui a une réputation comme zone de non-droit, zone foyer de gang. Forme dit-nous que équipe monsieur Bandio, le fait que yo ouais passivité autorité yo, yo décidé pour que yo capable monter tête yo en structure. Et c'est une raison qui fait que yo t'a pral monter structure ça qui relé vivre ensemble. Et en dans vivre ensemble, nous joignons plusieurs groupes de gangs. Et groupes de gangs, ça yo, a théorisé la population. Malgré que chef yo, Jimmy Cherizier et Barbecue, te lancé un message ba yo pour le dire, monsieur, on peut se poser sous question kidnapping et insécurité. Malgré ça, il y a des gens qui continuent à kidnapper. Il y a des gens qui commencent à mourir. Qui continue à mourir. Gen moun tout, yo continue à théoriser, yo continue à dévaliser. Kounya la, est-ce que parole,
porte-parole là, on a parlé de Jimmy Cherizier, porte-parole Vivre Ensemble là, est-ce que le pas fait poids sous équipe li, ou bien est-ce que monsieur c'est sous la forme yo en dans Vivre Ensemble là? Pas oublier jodi là, les monsieur réunis en structure pour ba tête yo non Vivre Ensemble. C'est parce que yo jugé que les yo dans la rue hein, les yo ont en grain pas de rien sérieux qui fait yo pas capable gen ensemble de autorité yo pas capable joindre yo a tiré coup de balle yon sous l'autre ça vient faire que eh bien gen force que t'as supposé gagner yo pas gagner le fait que yo vinn réuni yo en structure pour que yo capable vinn gagner plus force et d'ailleurs nous ouais ça vrai. Pendant que yo réuni yo en structure ça qui relève Vivre Ensemble nous voit que yo vinn gen plus force parole yo c'est parole l'autre et yo tellement gen force gagne coup zam qui t'a tiré entre yo et mais yo entend yo pour que zam yo capable bébé pour que capable gagner la paix dans localité que yo gagne dans ghetto yo. Yo allez plus loin pour eux même dit que jodi là yo visé élection et pour me dire ensemble avec leader politique qui est là aujourd'hui là élection qui pral gagner là si toutefois yo pas mettre un bout ensemble avec question Vivre Ensemble si toutefois yo capable réunir entre eux même pour faire choix de un candidat candidat employeur nous garantit nous la puissance en pile dans course électorale. Est-ce que nous comprenons moins bien? Jodi an la si toutefois Vivre Ensemble pas craser, yo choisi un moun pour aller dans élection. Et mais moun ça la peser en pile dans course électorale, pas étonnant où est moun ça li président. Pas étonnant où est structure sacrée les Vivre Ensemble là, li bay plusieurs magistrats, li bay plusieurs députés et sénateurs. Parce que situation arrive non maintenant dossier arrive non situation qui vraiment compliquée. Imaginez-nous récemment il y a premier ministre Garry Conille qui a fait une visite guidée dans l'hôpital général et pas cacher de dire nous et pas deux coups de balle qui pas chanté dans minute que monsieur li en dans l'hôpital général pour montrer nous puissance structure ça qui relait Vivre Ensemble. Et un avantage Vivre Ensemble nan gagné c'est parce que yo gagné eh bien des stratèges yo gagné plusieurs gros communicateurs qui en dans équipe là si c'est vrai nous ouais Jimmy Cherizier et barbecue nous ouais André Johnson et Iso nous ouais des moun tan kou Lanmwa Sanjou nous ouais des moun tan kou Vitelop Innocent sans pas oublier eh bien yon moun tan kou Jeff Canaran Jeff Gaulois Gagné Djuma, tout le monde sa c'est des gens qui fait partie de tout ça. Mais faut me dire nous que Vivre Ensemble, li aller plus loin que Jean nous pensait. Et gagné plusieurs, eh bien, bras cap fourni, eh bien, et tout ça, moyen économique, gagné plusieurs cerveaux tout, cap cap vraiment porter coup meilleur ensemble avec tout ça qui relait Vivre Ensemble. Jodi la présence policier et Kenya yo pa vle di anyen pour ce que ça qui relève Vivre Ensemble nan. Récemment, c'est pas deux courir yo pa fait monsieur Kenya yo courir en bas coup de balle devant l'hôpital général. Malgré que gagné présence la police ak l'armée d'Haïti, malgré ça jusqu'à présent, nous pas capable joindre un bon résultat, nous pas capable joindre un bon opération qui planifiait qui pour bailler résultat. Est-ce que population doit attendre toujours? Est-ce que population attend toujours? En tout cas, j'aime bagay la population semble doit attendre toujours parce que bagay la li pas aussi facile que Jean-Garry Conille te pensé que li te hier, li pas aussi facile que Jean-Normil Rameau te pensé que li te hier. Je ne jodi est-ce que policier n'a pas gardé la yo? Policiers kenyan yo
est-ce que yo capable permettre tête yo le luxe pour yo attaquer foyer de gang yo avec blindé seulement. On d'accord c'est si c'est vrai gagner des blindés qui rejoignent l'équipe là qui rejoignent pays, c'est des blindés qui vraiment professionnalisés. Parce que je dis, on parle de Max Pro, il dit ça, je l'ai dit. C'est un type de blindé qui construit spécialement pour bataille contre des terroristes. D'ailleurs, récemment, j'en ai toujours dit, il y a des pays, États-Unis, qui sont voyés, un total de 40 blindés par pays, eh bien, Ukraine, pour capable de contrecarrer, pour Vladimir Poutine, président Ousna, par rapport à la guerre qui est là. Pas étonné nous que automatiquement nous capables de faire acquisition de drones, et bien l'équation va paraître plus facile pour que la police, l'armée d'Haïti, et sans oublier, et bien les policiers kenyans sont capables de résoudre la situation qui est là à l'heure actuelle. Moi, pense que, je dis là, pays arrivé dans une situation, gouvernement doit dire ça l'a fait. Est-ce que la première démission ou bien. Est-ce qu'on va utiliser une autre stratégie, une autre zèle 4 pour capable gérer la question de la paix dans le pays? Et celle-là, ça m'a dit, peuple haïtien, pour la question de la paix, il y a plusieurs mois toujours. Parce que bah, elle est vraiment compliquée. Malgré que la police gagne plusieurs gros âmes, mais la police jusqu'à présent pas capable de rentrer avec une facilité dans le foyer de gang ça. D'ailleurs, yo dou attaquer youn c'est attaquer tout. Mayen youn mayen tout. C'est slogan équipe vive ensemble. Je dis là bas c'est que population haïtienne nan ta doué continuer ensemble avec le phénomène BK. Nous pas prêcher violence, mais le phénomène BK a été porté en pile résultat et les gars étaient obligés de rentrer dans le trou. Jodian là, ou presque, ouais, ils pas fait ça encore. Ils ont plus à caler quoi, pour ils ont dit match fini, pour ils ont dit balle aux policiers kenyans, pour ils ont dit que, eh bien, ils ont gagné longtemps, ils ont pas pété coup de balle sous blanc. Ils ont beaucoup jamais rivé, ça ne beaucoup jamais rivé. Parce que je dis là, situation qui arrive là, nous ne pouvons pas attendre un premier ministre, nous ne pouvons pas attendre un ministre justice, n'importe quel membre du gouvernement qui prend un ananas pour Suzanne pour montrer que eh bien, le problème qui est là, il est capable de résoudre. Monsieur a trompé énormément. Il y a un ensemble de matériel. Militaire, faut que nous t'a gagné matériel ça. Et je dis là, les États-Unis pas qu'à permettre le luxe pour faciliter nous joindre équipement ça aussi facile. Kounya là, est-ce que nous capable permettre nous le luxe pour t'a acheter un 2-3 hélicoptères de guerre? Hélicoptère là a permettre que nous gagnions vue aérienne de ensemble zone foyer de gang. En d'accord que jodi an la bagay la vraiment compliqué nan men population, bagay la vraiment compliqué nan men directeur général la police la, bagay la vraiment compliqué nan men vaillant policier nou yo. Majorité fois c'est au même qu'al kite pour yo et men nan foyer de gang yo. M'pense que jodi an la premier ministre payan a Gary Conné ta supposé eh bien convoquer une réunion aussi rapide pour passer l'ordre et éviter parler en pile dans les médias, s'il vous plaît. Parce que je dis, tout autant que vous parlez, vous comptez que vous prenez jouer une faiblesse ou LSA, situation capable de compliquer dans mes ou capable de perdre confiance ou capable de perdre espoir. Voilà la situation de notre cher Haïti. Je dis là qu'il y a un groupe négatif qui sorti pour que yo capable théoriser population et nèg exam ça ou déjà la cause voel pour pays sans chapeau plusieurs nan frère acteur nou yo. Nous te prend pile plaisir pour nous te porter pour émission spéciale ça. Nous toujours dit pas jamais oublier
abonner ensemble avec plateforme ça. Et si toutefois vous déjà fait ça, n'a invité ou invité vos amis pour que les capables abonner, pour que les capables joindre information yo en temps réel. Nous t'es content, nous avons prochaine émission, c'est pour le bout, dans le budget, laisse ça, nous venons ensemble avec information en plus par rapport ensemble avec journée jeudi.